c'est Maximilien. Et moi, c'est Clément. À nous deux, on forme Agro Vélo City. Agro Vélo City, c'est une démarche itinérante au service de l'agriculture urbaine. En gros, Agro Vélo City, c'est une association qui a pour but d'étudier et de donner de la visibilité à toutes les formes d'agriculture urbaine. Mais pas avec n'importe quel moyen de transport. On a choisi le vélo. Parce que c'est cool, parce qu'on est cool. C'est un moyen de transport doux et écologique. Parce qu'on va pas y aller en galipette, parce qu'on va pas y aller en trottinette, parce que c'est un moyen de transport assez rapide pour parcourir un grand nombre de kilomètres, assez long pour rencontrer des gens, parce qu'on est pauvres. Alors que les questions de l'alimentation durable se posent de plus en plus, alors que la population mondiale ne cesse de croître, et que les ressources alimentaires se mettent à manquer, alors que l'agriculture perd chaque jour un peu plus de terrain sur la ville, une solution semble se dégager. L'agriculture urbaine, c'est la rencontre du végétal et du macadam, du légume et du pavé, enfin bref, de l'agriculture et de la ville. C'est aussi bien mamie qui cultive les légumes dans son jardin qu'un énorme building ultra technologique qui cultive des légumes à 400 mètres de haut. Et c'est aussi des gens qui se réunissent autour de jardins participatifs et de projets associatifs très intéressants. Et nous, notre but, ben, c'est de vous dire un petit peu, de vous en dire un petit peu plus. AgroVélo, c'est une idée qui a commencé à germer l'année dernière, sur l'initiative de trois jeunes étudiants ingénieurs agronomes de Montpellier Supagro. Ensemble, ils décident de monter AgroVélo Cité et partent parcourir plus de 12 000 km en 8 mois à la rencontre des acteurs qui font l'agriculture urbaine européenne. Et l'expérience a été pour le moins concluante. Alors nous, on s'est dit que l'expérience pouvait pas s'arrêter là. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de continuer cette étude sur un autre continent. Vous voulez savoir lequel, hein ? De mai à août 2015, on a prévu de partir pour une boucle de près de 5000 km entre le nord-est des États-Unis et le Canada, afin de vous dire ce qui se passe là-bas. Et de les espionner. À la clé, des conclusions scientifiques. Des conférences dans toute la France. Et surtout des vidéos pédagogiques en veux-tu en voilà sur notre chaîne YouTube, avec des explications techniques, des explications économiques, des blagues, des interviews, des rencontres. Mais pour ça, on a un peu besoin de sous-sous. Et donc de vous. Parce que mine de rien, on a besoin quand même de matériel, de quoi filmer, de quoi se déplacer, réparer nos vélos. Puis bon, faut aussi bien qu'on dort, mais qu'on mange, donc vous doutez bien que tout cet argent, il va être bien utilisé. Si vous adhérez à ce projet, si vous trouvez qu'il vaut le coup, ben, on vous sera vraiment super reconnaissant de nous prêter main forte. Pour plus d'informations sur l'agriculture urbaine, et surtout sur notre projet, on vous invite d'ores et déjà à aller visiter notre site internet, www.agrovelocity.org, et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer vos prochaines vidéos. Le lien du KissKissBankBank, il sera dans la description. Et on vous invite aussi à nous liker sur Facebook, à nous aimer sur Twitter, à pourquoi pas vous abonner à notre chaîne Vine, ou Snapchat, ou Instagram, ou... Allez, ciao! City.